knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes au parc national Manuel Antonio, donc au sud du Costa Rica. C'est un parc national très très visité ici au Costa Rica. Apparemment on peut y voir des paresseux, donc on croise les doigts, on espère qu'on sera chanceux. Et puis il y a aussi visiblement une belle plage, donc on a mis les maillots de bain sous les vêtements. Et puis on va essayer de vous faire un maximum de belles images. On vous emmène bien sûr avec nous. À peine 20 km² et des centaines d'espèces recensées. Classé parc national en 1972, Manuel Antonio concentre près de 110 espèces de mammifères, 340 espèces d'oiseaux et de plantes et environ 240 espèces sous-marines. Pas étonnant que le parc soit l'un des plus populaires et des plus fréquentés du pays. Nous avons passé une super belle journée au parc national Manuel Antonio. Et là, je termine cette journée par un magnifique coucher de soleil sur le Pacifique. Wouh ! Et voilà, les pieds dans l'eau. C'est vraiment absolument superbe. Donc là, on est au parc national Marenaban Baleno. Normalement, on doit pouvoir voir les baleines à bosse qui descendent en fait vers le sud pour se reproduire dans les eaux chaudes. On va essayer de voir ça demain. Et le coucher de soleil est juste somptueux. Ouka est à l'eau, il va faire un peu de bodyboard. Juju, tu fais... Violette, tu fais coucou? Mais non, à moi. À la caméra. C'est vraiment superbe. Hein. Oh là là. De toute façon, les plus beaux couchers de soleil qu'on ait vus, c'est toujours les couchers de soleil sur le Pacifique. Ils sont absolument magiques. Et ils se couchent. De surfeurs ici, en même temps avec des vagues pareilles, je comprends qu'il y ait des surfeurs. Je sais pas si vous voyez là-bas, ah ben voilà, j'ai de la chance, j'en ai chopé un, ah, dommage, et du coup il y en a plein. Surf comme ça au coucher de soleil, c'est quand même plutôt magique. Hein. Bon, en fait, quand je zoome, vous voyez mieux le soleil.
voilà. Bye bye, à demain. Alors Juju s'est décidée. C'est ça qui casse là. Elle est partie faire du bodyboard. C'est parti. Il y a beaucoup de courant apparemment, donc il faut faire attention. Get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting. Marino-Ballena, oui c'est bien ça. Et donc en fait là nous avons réservé pour cet après-midi un tour en bateau qui va durer environ 3-4 heures. On va pouvoir faire du snorkeling et si on a de la chance, on va voir les baleines à bosse. Alors ce n'est pas sûr du tout, il nous expliquait que ça faisait 2-3 jours qu'il n'en avait pas vu. Donc voilà, il faut juste qu'on ait un peu de chance, mais bien sûr je vais vous faire un maximum d'images. Un petit peu donc notre sortie en bateau d'hier. Vous aurez vu quelques images, il n'y en a pas énormément, donc je vous explique pourquoi. En fait, c'était une sortie qui nous permettait peut-être de voir des baleines à bosse, et notamment des baleines à bosse qui sautent. Donc bah, on était super contents. On n'a pas eu trop de chance cette fois-ci, hein. Il fallait bien que ça nous arrive une fois pendant le voyage. On a toujours été très chanceux depuis le début. Donc là, on n'a pas vu de baleines, on a vu quelques dauphins. Ensuite, ils nous ont arrêtés à deux endroits différents pour faire un peu de snorkeling. Mais voilà, l'eau est assez trouble et on n'a pas vu énormément de poissons, juste quelques poissons perroquets, ce qui est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais avec les séances snorkeling qu'on a déjà fait depuis le début du voyage, bah, malheureusement, on devient aussi un peu exigeant. Et voilà, tout ça pour dire que bah, c'est aussi les aléas un petit peu du choix en fait qu'on a fait de ne pas vouloir aller voir les animaux ni dans les aquariums ni dans les zoos. Bah, voilà, l'idée c'est que l'animal choisit de se montrer ou de ne pas se montrer. Et même si on est un peu frustré de ne pas le voir, c'est comme ça, on l'accepte. Et puis bah, c'est la nature et donc c'est tout à fait normal. On a quand même passé une super journée, c'était vraiment top. Donc je sais que le tour était assez cher, mais on a eu la chance que mes beaux-parents nous l'offrent. C'est juste du coup, étant donné qu'on n'a pas vu de baleines, qu'on a juste vu quelques dauphins et que le snorkeling, c'est pas non plus des spots de fou,
aux voyageurs au long cours, je leur conseille pas forcément, en tout cas à cette période, de le faire, quoi. Étant donné le prix, ça n'en vaut pas la peine. C'est juste que nous, on a vraiment passé un super moment, on était avec mes beaux-parents et puis c'est toujours agréable un tour en bateau. Mais forcément, rapport pas qualité parce que c'était qualitatif, mais par rapport à ce qu'on a vu et au prix, je crois que c'est pas un tour qui est nécessaire pour les voyageurs au long cours. Par contre, si vous venez en vacances et que vous pouvez vous le permettre, je vous le conseille bien sûr. L'équipe était super top, elle était vraiment adorable, super super gentille. Et donc je vous mets le lien, il me semble que c'était Dolphin Tour, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis voilà, je pense que j'ai rien oublié. Alors Juju, t'es prête? Oui. Elle va prendre un cours de surf, donc Seth vient d'apercevoir le prof qui a juste 35 minutes de retard, mais voilà. Bienvenue en Amérique centrale. Et du coup, t'es prête? Oui. C'est parti. Et voilà, Juju commence son cours. Alors pour l'instant, Seth va rester à mon avis un quart d'heure avec elle parce que le prof ne parle que anglais et espagnol. Et donc elle commence à bien comprendre en anglais, mais voilà, elle avait quand même un peu peur de ne pas saisir les informations. Donc elle préférait que Seth soit là au début et puis après elle se débrouillera avec lui. Alors je viens un petit moment sur la plage pour vous filmer un peu de Juju. Bon là elle est un peu loin, mais elle est vraiment super impressionnante, franchement depuis le début, elle arrive à se mettre debout, c'est dingue. C'est le premier cours qu'elle prend de surf, donc elle fait pas mal de bodyboard depuis le début du voyage. Mais elle avait jamais pris de cours, en fait à Playa Grande. Comme on vous l'avait expliqué le dimanche, c'était compliqué d'avoir des cours. Et puis le lundi matin, en fait, on était parti, donc voilà, elle n'avait pas pris de cours. Là, on a trouvé un monsieur donc qui propose ses services. Oh, pardon, qui propose ses services avec sa propre planche et c'est vraiment pas cher. C'est $30 pour 2 heures. C'est au moins moitié moins cher que ce qu'on avait à Playa Grande. C'était au minimum $60 pour 2 heures à Playa Grande. Et franchement, je suis vraiment très impressionnée, quoi. C'est la première fois. Alors, body surf, bodyboard, voilà, elle gère bien maintenant. Elle fait du ski en Suisse. Mais sinon, elle n'avait jamais fait de sport de glisse, mis à part le ski. Donc, je suis vraiment très, très impressionnée. Elle est top, quoi. Sur la route pour le parc donc du Corcovado et en fait on n'a pas fait trop attention en suivant MapsMe en fait qui nous a emmené un peu dans des chemins des routes secondaires. Il faut savoir qu'au Costa Rica il y a vraiment que la route principale qui est asphaltée, sinon toutes les routes secondaires sont des routes en terre ou des pistes. Celle-ci est quand même vachement difficile. À un moment donné, avec les filles, j'ai dû sortir du camping-car. On n'était plus que sur 3 roues. Donc heureusement qu'on a un véhicule 4x4. Et là, en fait, on a un gentil monsieur à moto qui nous suit parce que visiblement, il y a une zone un peu... Ah, attention, c'est bien une voiture. Il y a une zone un petit peu difficile à passer. Et donc, il faut s'assurer qu'on passe bien cette zone avant de nous laisser, tout seul. Donc, c'est vraiment super gentil. Il y a un autre monsieur là dans le village précédent qui nous a donné son numéro de téléphone en nous disant que si à un moment on était coincé quelque part, qu'on pouvait l'appeler. Donc ils sont vraiment adorables. Alors, le point positif, c'est que, encore une fois, on s'enfonce vraiment dans le Costa Rica, authentique. Ça c'est vraiment ce qu'on aime, c'est trop bien, on
voit aussi plein d'animaux comme ça sur la route. Ici, forcément, il n'y a pas de touristes. Et ça, c'est cool parce que c'est sûr qu'au Costa Rica, on ne manque pas d'Européens, c'est moins qu'on puisse dire. On n'a jamais autant entendu parler français que depuis qu'on est au Costa Rica. Donc voilà, je vous montre un petit peu la piste. Bon, ici encore, ça va, il y a quelques petites habitations par-ci, par-là. C'est pas toujours le cas. Hein. Tout à l'heure, c'était quand même vraiment... Seth était pas mal stressé, d'ailleurs. Hein, mon chat ? Yes. Ouais, ça montait bien. Ouais, c'est du gravier, ça monte fort avec des dévers, donc pas trop ce que le camping-car aime. Ah, bah monsieur, là. Donc, finalement, on a deux monsieur qui nous escortent. Donc le premier, c'est celui qui nous a donné son numéro de téléphone, il nous a finalement suivis. Et le deuxième avec son chapeau. Donc voilà, ils sont vraiment super gentils. Maintenant, ils sont en train de réfléchir à par où ils vont nous faire passer. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a beaucoup de reflets de soleil. J'ai voulu mettre en compte la GoPro, mais le problème, c'est que j'ai plus de batterie. Alors, Ced revient, il est allé voir avec le monsieur. On va voir ce qu'il a décidé. Alors ? On va traverser la rivière. Ok. Puis après, lui va au prochain carrefour. Il va se mettre sur le côté droit. Là, nous, on va devoir prendre à gauche. Ouais. Et l'autre, il va aller au carrefour suivant. Il va bloquer la rue qu'on ne doit pas prendre non plus, quoi. Trop gentil. Donc, oui, si. Ok, donc on a mis la deuxième batterie de la GoPro. Il y a toujours des reflets, mais je pense que c'est quand même mieux pour vous. Et puis là, comme on va passer la rivière, je préférais vous remettre la GoPro. J'espère qu'elle est bien droite. Joyeux anniversaire, Juju! Qu'est-ce qu'on regarde? Les haras! Il y en a plein. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Ils sont rouges, jaunes et bleus. Bon, ils sont loin, mais regardez. Avec les jumelles, on en voit. Ils sont magnifiques. C'est vraiment superbe. Il y en a plein. Là. Donc en fait là on est dans un petit camping près du parc national Corcovado et je vous montre donc normalement on va aller visiter le parc demain, on est obligé de prendre un guide. Donc voilà, Mani est ici, vous voyez, c'est un petit camp comme ça, c'est super mignon, c'est bien propre. On a été réveillé par les singes hurleurs vers 4h du matin. On savait pas qu'il y en avait ici. Et moi, je me suis réveillée très tôt ce matin. Bah non, tu t'es réveillée à 8h. 8h. Oui, en fait, moi, je me suis réveillée aussi très tôt. Et donc, on a entendu les haras. Et donc, on vient les voir et c'est trop beau. C'est juste magnifique. Attendez, il y en a un qui est là. Je peux pas zoomer plus avec mon téléphone, mais... Alors le parc, ça fera, il fera l'objet d'une prochaine vidéo. Là, je vous filmerai juste l'anniversaire de Ju aujourd'hui.
C'est trop beau. Il y en a vraiment des dizaines. C'est trop tôt, là, 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 c'est trop beau. Un gars qui va passer là-bas. Là, on peut essayer d'aller voir dans l'autre arbre. Oh, ils sont là. Comme quoi, on n'a vraiment pas besoin d'être dans les parcs pour voir les animaux. Oh là là, mais qu'il est beau! Il est trop trop beau! Alors, donc on est parti faire une petite balade. Il y a une très belle plage ici. Et apparemment, juste à côté, début de mangrove, on peut voir les crocodiles vers 4-5 heures. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Très beau. Donc on va aller se renseigner pour le parc national donc du Corcovado, mais on ferait ça du coup demain. Apparemment il faut partir vers 5h30 du matin et c'est 8 heures de marche la journée, donc voilà, mais je pense que ça peut être sympa. Bon, comme je vous l'ai dit, ce sera une autre vidéo, ce sera la prochaine vidéo, sinon elle va être trop longue. Et ici il y a plein de vautours, ceux-là je les déteste. C'est des charognards. Non, je les trouve pas beaux non plus. Il y en a plein partout. Ah oui, tu trouves ça? Regarde là, ils... En fait, j'avais pas fait attention pourquoi ils étaient si nombreux ici, mais regardez cet énorme poisson mort là. En fait, c'est ça. Il s'est fait bouffer par tous les vautours qu'il y a autour. Il est gros ce poisson. Hein. Alors, Juju est parti avec Ced faire un tour et moi, pendant ce temps-là, j'ai préparé pour son anniversaire. Vous voyez, j'ai mis des petits ballons dans l'arbre et j'ai sorti notre guirlande guinguette que je ne sors pas assez souvent. Donc voilà, je trouve que ça donne bien, on va être bien là, sous l'arbre. Je pense que ça va être sympa. C'est joli mon cœur, tu aimes? Oui. Et t'as dit que je pourrais avoir un ballon pour le lancer? Oui, je vais t'en gonfler un autre. Vas-y, avance, avance, toujours. Non, non, il n'y a rien devant toi, vas-y. Avance encore. Non, non, je te filme. C'est tout bon, il n'y a rien devant toi, tu peux encore avancer. Encore. Encore. Vas-y, avance encore. Encore un peu. Oui, tu peux ouvrir. Ah, trop cool. Ah, trop cool. C'est joli? Ouais, c'est cool. J'ai mis les petites lumières, t'as vu? Ouais, trop cool. Merci. C'est parti? Ouais. Joyeux anniversaire. Les bougies s'éteignent. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Juju. Joyeux anniversaire. On va les rallumer, attends. Moi, j'ai 4 ans. Un an. Attends, on va tout allumer. Allez, on recommence. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Juju. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday to you. Take these roses.
Here is one for you. May your days be many and your troubles few when you're singing from... Alors là, on est parti faire une petite balade après avoir mangé le gâteau. C'était bien bon. Avant que la nuit ne tombe, on va essayer d'aller voir les crocodiles. Pas aujourd'hui la peinture, Violette. Alors on les cherche, il y a un petit étang là. Apparemment il peut y en avoir là. Sauf que bah, on n'est pas très malin parce qu'on a mis des claquettes. C'est la fin de la journée, c'est l'heure où les serpents sortent. Et apparemment ici il y a beaucoup de serpents. Donc on essaie de faire attention, surtout qu'on a tous sursauté comme des débiles. Il y a un énorme iguane qui est passé à côté de nous, très vite, du coup on a vachement sursauté. Tu vois quelque chose, Céd? Hop, elles entrent dans la fourmilière. Elle travaille dur, hein? Et pour bien finir cette journée d'anniversaire, on se fait un petit resto. Regardez comme c'est trop mignon. Et on a un concert de... En fait, il y a des petits perroquets, des petites perruches cette fois. Il y en a des centaines. Je sais pas si vous entendez. Mais cet endroit est super mignon. Donc voilà, on va manger ici ce soir pour l'anniversaire de Juju. Alors Juju, tu as passé une bonne journée d'anniversaire? Oui. Ça t'a plu? Les perroquets, c'était quand même vraiment sympa. Hein, perroquets, toucan pour l'anniversaire, c'est plutôt cool. Ouais, voilà. Je pense qu'on va conclure ici. Hein. Ouais, bah on va terminer. Hein. L'endroit est quand même relativement sympa. Donc on est à Puerto Jiménez, dans le sud du Costa Rica. Et on espère que la vidéo vous a plu, que les images sont encore belles. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner, à laisser des commentaires, c'est toujours très intéressant. Et puis on vous dit à la prochaine et on vous retrouve dans de prochaines vidéos. Salut !